Coucou les filles, bienvenue sur Unique Héritini, la chaîne capillaire des cheveux crépus. Alors, si tu as les cheveux secs, les cheveux cassants, les cheveux qui s'attachent tout le temps, les pointes abîmées, les pellicules, alors ça tombe bien parce que j'ai rédigé pour toi un guide capillaire qui va te permettre d'améliorer considérablement ta routine capillaire à partir des produits que tu utilises déjà à la maison. Le guide va te montrer comment tu vas pouvoir désormais réaliser un shampoing sans qu'il ne t'assèche les cheveux. Quels sont les actifs capillaires hydratants et protéinés que tu vas devoir rajouter dans tes masques et dans ta crème hydratante pour renforcer l'hydratation de tes cheveux et fortifier tes cheveux? Quelles sont les meilleures huiles végétales pour tes cheveux? Parce que oui, toutes les huiles végétales ne se valent pas. Il y a des huiles qui pénètrent plus facilement et plus rapidement la fibre capillaire que d'autres. Et tout plein d'astuces pratiques pour tes cheveux que tu vas pouvoir mettre en place dès aujourd'hui pour booster la santé et la pousse de tes cheveux. Pour recevoir le guide, c'est très simple. Il te suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la barre de description et tu recevras le guide dans ta boîte mail dans les minutes qui suivent. Alors aujourd'hui les filles, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir utiliser la chaleur pour booster la pousse de vos cheveux. Oui, la chaleur pour booster la pousse de vos cheveux. Je sais que dans l'univers des cheveux crépus, la chaleur a une connotation négative. On a tendance à penser que la chaleur, elle est mauvaise pour les cheveux, alors qu'au final, c'est plus les produits qu'on utilise, c'est plus les ingrédients synthétiques et chimiques qu'on utilise en fait qui sont nocifs pour nos cheveux. La chaleur peut être votre meilleur allié et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous en servir à toutes les étapes de votre routine capillaire. Déjà, il faut savoir que quand on parle de chaleur, c'est l'excès de chaleur qui nuit. Lorsqu'on reste vraiment dans, des zones raisonnables, c'est plutôt un avantage pour nos cheveux, pour notre cuir chevelu, parce que notre cuir chevelu a du mal à justement absorber les nutriments. Nos cheveux ont du mal à absorber les nutriments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir les cuticules des cheveux, il faut ouvrir les pores du cuir chevelu pour que tout ce qu'on leur apporte de bien rentre facilement. Je dis bien tout ce qu'on leur apporte de bien. D'accord? La chaleur ici va plutôt jouer un rôle bénéfique parce que non seulement elle va permettre d'ouvrir les cuticules de vos cheveux et les pores de votre cuir chevelu pour laisser rentrer les nutriments, mais en plus la chaleur c'est un stimulant parce que elle permet justement de dilater en fait les pores. Donc du coup, ça fait que meilleure circulation sanguine en même temps que rentrée de tous les bons nutriments à l'intérieur du cuir chevelu. Et du coup, l'un dans l'autre, en fait, vous avez vos cheveux qui sont boostés, en fait, la pousse de vos cheveux qui sont boostés. Et c'est ce que j'expérimente depuis que j'utilise ma routine capillaire uniquement à base d'ingrédients essentiels, à savoir des huiles végétales pures, dont je connais l'origine, je connais le processus de pressage des huiles, et des plantes, voilà, des plantes naturelles séchées, des plantes médicinales séchées. Voilà. Alors, commençons par le bain d'huile. Au niveau du bain d'huile, qui est le premier soin que vous devez absolument faire lorsque vous avez les cheveux crépus, voilà. Et lorsque vous allez poser votre bain d'huile, soit vous allez dormir avec le bain d'huile. Donc, le fait que vos cheveux soient dans un environnement fermé et que votre cuir chevelu est en activité, du coup, production de chaleur, ouverture, dilatation des pores, ouverture des cuticules des cheveux et les huiles pénètrent plus facilement, d'accord? Donc, soit vous allez faire ça, soit vous allez poser votre bain d'huile et passer au casque, donc casque vapeur, je précise, pendant 30 minutes. Au niveau du shampoing, voilà, bon, là, tout le monde sait, vous lavez vos cheveux avec de l'eau tiède. Par contre, si vous êtes en Europe, vous devez absolument finir vos soins avec une eau acide en fait. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a du calcaire dans l'eau du robinet et donc si vous ne finissez pas avec une eau acide, vos cheveux vont se casser quand même derrière parce que l'eau est calcaire. D'accord? Par contre, celles qui utilisent les tisanes capillaires nitrales n'ont pas ce problème-là parce que les tisanes capillaires nitrales ont déjà le pH du cheveu. D'accord? Qui est situé entre 5 et 5,5. Ensuite, au niveau de l'hydratation, comme je vous l'avais expliqué ici une fois, si vous utilisez les produits de la cosmétique moderne, en fait, il va falloir appliquer votre crème hydratante et passer vos cheveux sous l'eau, voilà, eau tiède, ou alors appliquer votre crème hydratante
et passer sous le casque encore, casque vapeur, 10-15 minutes, question que le soin pénètre bien à l'intérieur. Et si vous utilisez les tisanes nitrales, vous savez que chez Nitral, on a un tout-en-un en fait. Voilà, les tisanes capillaires servent à la fois de masque hydratant, masque protéiné, crème hydratante, oui. Donc, lorsque vous avez utilisé la tisane capillaire, vous avez tout ça en un, en plus du bon pH pour vos cheveux, d'accord? Donc, dans la semaine maintenant, pour réhydrater vos cheveux, si vous utilisez déjà les tisanes nitrales, pour économiser par exemple vos tisanes, si vous avez déjà fait votre infusion concentrée en début de semaine, 2 ou 3 jours après pour réhydrater vos cheveux, vous n'avez qu'à utiliser de l'eau tiède en fait. Voilà. De l'eau tiède, de l'eau minérale ou de l'eau de source si vous êtes en Europe, pas l'eau du robinet, je précise. Donc, vous utilisez de l'eau tiède sur vos cheveux, vous appliquez derrière votre sébum végétal, vous posez votre mise en pli et vous allez voir le lendemain, vos cheveux sont hydratés à souhait. Pourquoi? Parce que dans vos cheveux, vous avez encore les humectants des plantes, en fait. Donc, ici, c'est juste l'eau qui manque à vos cheveux, d'accord? Donc, lorsque vous utilisez les tisanes nitrales, les humectants finissent par se vider. Donc, il faut recharger les batteries et il faut recharger avec de l'eau. Et dès que vous mettez de l'eau derrière, l'hydratation redevient, voilà, nickel. Pas besoin de faire l'infusion concentrée 2 fois. Vous faites l'infusion concentrée 1 fois dans la semaine et pour réhydrater, eau tiède, voilà, tous les 2 jours, tous les 3 jours, voilà, selon vos cheveux. Et vous appliquez votre sébum végétal et votre mise en pli et tout est parfait. Maintenant, au niveau des personnes qui utilisent les crèmes hydratantes du commerce, etc., vous pouvez tester, voilà, vous pouvez tester l'astuce de l'eau chaude sans forcément rajouter de la crème hydratante derrière. Et là aussi, ce sera un bon test pour voir si les humectants qui sont présents dans vos produits du commerce sont vraiment efficaces en fait. Si vraiment ce sont des humectants complexes, parce que si c'est le cas, alors l'eau seule, l'eau tiède va suffire, voilà. Eau tiède derrière une chantilly de karité, vous faites votre mise en pli et le lendemain, vos cheveux sont hydratés à souhait. Mais je le précise, il faut être sûr de la qualité de vos ingrédients parce que malheureusement, si vous utilisez des produits avec trop d'ingrédients synthétiques, vous risquerez de créer l'effet inverse en fait. Donc la chaleur, oui, mais ça dépendra maintenant des produits que vous utilisez derrière. Le sport aussi, voilà, le sport aussi va stimuler la pousse de vos cheveux parce que du coup, pendant le sport, il y a une activité intense au niveau de votre cuir chevelu et du coup avec les produits que vous avez mis, que vous mettez pendant la semaine, les huiles, etc. Donc du coup, ça va favoriser aussi la pousse de vos cheveux en fait. Donc voilà les filles, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors si vous n'avez jamais testé nos produits, nos tisanes capillaires, je vous offre un code promo de 15%. Donc vous avez 15% de réduction sur votre première commande. Le code promo, c'est RV15. Je vous le laisse dans la barre d'infos aussi. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!